Bonjour Louise. Bonjour Michel, bienvenue dans le nouvel épisode de Louise et Michel. Mais ta voix, Louise? Bah quoi? Mais c'est pas ta voix. Et là maintenant? Bah non. Et là? Ah voilà, on peut commencer. Eh bien, bienvenue dans l'épisode 2 de Louise et Michel. Grande nouvelle, l'hiver arrive. Exactement, c'est le mois de l'environnement, c'est le mois de la COP21. Avec des dragons? Non, c'est sérieux la COP21. Attends, c'est sérieux les dragons? Attends, tu vas voir quand Khaleesi va débouler à King's Landing. Non, tu ne sais rien, Louise Neige. Bon, Jean-Paul, explique-lui. Oui, tout à fait, Louise et Michel. En fait, la COP21, ça va nous permettre de se rendre compte que bah, tout fout le camp à la planète. Hein, ici, il fait trop froid, ici, il fait trop chaud, là, il y a des typhons. Et puis Bibi Flock, là, hein, il va mourir avec la fonte des glaces. Alors, pensez aux pandas. Mais oui, hein, pensez aux pandas. Eh bien, merci Jean-Paul pour cet avis éclairé et inspiré. Mais le mois de l'environnement à la bibliothèque, ce sera plutôt le jeudi 26 novembre à partir de 19h, avec la diffusion du film « Quelques degrés de moins ». Oui, en présence des réalisateurs, de l'association 4D et du rédacteur en chef d'Altermonde. Mais bon, il n'y aura pas de dragon. Mais il y en aura peut-être. Dans Histoire et compagnie, ce sera le samedi 14 novembre à 11h, avec Claire et Séverine, pour les enfants à partir de 4 ans. Oui, il pourrait y en avoir dans les Wondercredis aussi. Tous les mercredis, il se passe quelque chose de ludique et de créatif à la bibliothèque. Comme par exemple les jeux de rôle, le 4 novembre à 17h avec Stéphane. Ou les ateliers bracelets avec Pauline. Mais justement, j'en ai plus. Des bracelets, Louise. Ce pourra être aussi des jeux vidéo, les mercredis 4 et 18 novembre à 15h. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, il y aura aussi les journées mondiales du jeu vidéo. C'est le samedi 21 novembre. Un marathon jeu vidéo, 10h, 18h, sans s'arrêter, sans interruption, sans souffler, sans respirer, Louise. Du FIFA. Du Yoshi Len. Du Mario Kart. Mario Kart? Ouais. Mario Kart? Bah bien sûr. Mais je vais te mettre une raclée à Mario Kart. Bon, et puis bien évidemment, les traditionnels et funky cafés de Louise, qui auront lieu les samedis 7 et 21 novembre à 11h. Le ciné des habitants, le 14 novembre à 14h30. Il y aura des dragons? Des cow-boys. Alain m'a soufflé des cow-boys. Ah, c'est bien aussi. Mais oh, on me souffle dans l'oreillette que le panda serait toujours à la bibliothèque. Mais il est pourri ton panda. Mais c'est une espèce protégée, Louise. Pense à la planète. Bah, c'est pas une espèce protégée, c'est Rémi avec un masque. Hein. Oui, bon bah, on n'a pas pu en trouver un vrai. C'est parce qu'ils se font rares. Je fais quoi maintenant? Reste à la bibliothèque, qu'on t'a pris du bambou. Oh, trop bien. Bon, allez, c'est tout pour cette fois. Rendez-vous le mois prochain, et en attendant... N'oubliez pas que... Everything is awesome. Et sinon, c'est pour faire quoi les licornes là? Non mais toc toc McFly, y'a quelqu'un là-dedans? COP21! Espèce disparue? Des licornes? Oui, enfin, je vois pas. T'as déjà vu des licornes dans la rue? Hein? Non, c'est vrai. Ah voilà. Voilà. Les gens, ils en ont rien à faire de l'écologie, je te jure. Il est où Sam?